Eh bien, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans Green Hell. Alors, cet épisode vous est présenté dans la version du jeu Bienvenue dans la jungle. Et puis, je vais continuer le progrès de la cabane dans l'arbre. Et puis, quand même très bien avancé depuis la dernière présentation. Alors, si tu veux, le rez-de-chaussée, façon de parler, est complètement terminé. Maintenant, c'est bien sûr d'aller... débuter le plancher numéro 2. Alors, ceci dit, j'ai commencé à ramasser toutes les ressources nécessaires, évidemment. Et puis, donc, je devrais pas y avoir de problème tel quel, je crois, en qu'est-ce qui est des ressources, malgré que je suis limité, que j'ai pas toutes les ressources nécessaires pour compléter dans une journée, mais bon, c'est qu'est-ce que c'est. Alors, avant que je débute, je vérifie, bien sûr. OK, alors, pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose pour avoir une belle journée. Bon, j'ai été me chercher un tapir. C'est la saison de pluie. Est-ce que j'ai une gourde? Oui. Ouais, fait que donc, j'ai... je suis dans une saison. Je suis en juin, toujours. Je te dirais à peu près vers le 18 juin. C'est quand même bien. Et puis, donc la saison pluie vient de débuter. Excellent. Alors, ce qui facilite, si tu veux, un peu l'entretien de ces bestioles. Pour l'instant, juste un, ça va. Pas plus, franchement. OK. Alors, ici, je vais avoir le besoin, oui. Pas grand chose. Champignons, non. Oui, pour ceci. Et puis, tiens, je vais boire de l'eau avant. Bon, tout est complété. Alors, je débute. Alors, j'ai commencé à faire des petites choses. C'est surtout d'installer les schémas. OK? Donc, le mélangeur de boue, j'en ai plus besoin. Alors ça va être à être éliminé. Pour qui est-ce qui est ici de l'arbre? Écoute, ça c'était une petite expérience. Complètement... c'était pas inutile, mais c'est inutile de l'avoir. Je pensais que c'était pour me faire des noix de Brésil. Mais non, ça me donne un arbre. Alors ici, ça va être, si tu veux, sur ce balcon... Alors, il va y avoir un bananier, et puis ici, deux fruits. Ou un fruit et un légume, un des deux, d'accord? Ici, il va y avoir le barbecue, que je vais te montrer qu'est-ce que j'entends par barbecue. Ici, il va y avoir la douche, OK? Donc, la douche va venir s'installer juste ici. Je vais avoir tout ça fermé, là, bien sûr. Et puis, l'entrée ici. De ce côté, je vais y avoir la chambre à coucher. Alors, le lit sera installé comme ceci. D'ailleurs, je ne le ferai pas tout de suite parce que il risque de me gêner, si tu veux, quand je veux compléter cette structure. Et puis, ici, l'entrée. Et puis, je mettrai peut-être un coffre au bout, là, pour peu importe les raisons. Là, maintenant, qu'est-ce qui se trouve de ce côté ici? J'avais l'intention d'en faire la cuisine. Donc, toujours en bambou. OK. Et puis, comme ça. Et comme ça. Parfait. Donc, ça serait pour la cuisine. Donc, le foyer au milieu. Chaque côté, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais aussi... installer comme trois foyers, ça peut être utile ou pas, je sais pas. Mais non, excuse, j'ai dispensé. Alors, un fabricateur ou la table de travail pour donc se fabriquer des objets en argile. Ici, je pourrais peut-être lui mettre plusieurs petits racks. Donc, les fameux râteliers. Me permettent, comme tu peux voir ici. Alors ça va monter à l'étage. Ça va être mon barbecue. Donc
un feu en bas et puis leur atelier par-dessus avec mes 3 emplacements plus mes 2 ici. Donc, il me fait 5 emplacements total. OK? Oh, il me reste un bambou à terminer là-bas. Par la suite, ici, ça va être de connecter, donc de faire un lien entre la cabane dans l'arbre, aller peut-être ici, là, en avant, à la plateforme. Je vais voir, c'est... J'y vois pas vraiment l'utilité de le faire, mais je veux regarder quand même la possibilité. OK? Donc, ça, c'est ça. Et puis, je me demande si je lui installe... Est-ce que je peux lui installer en bambou, plutôt? Et voilà. Comme ceci, je ne pense pas que ça va empêcher, honnêtement, la connexion. De la passerelle, ici. Non. OK. Alors, je pourrais... Hop! Alors, vers là-bas, mais je ne sais pas si... Est-ce qu'il faut que j'installe ça avant d'installer... Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais ça sera quand même à vérifier. Mais je pense que le fait d'avoir un balcon ici me donnera la possibilité peut-être d'avoir une plus grande, une fois terminé bien sûr, d'avoir une plus grande chambre. Je sais pas où garder, parce que j'aime bien les deux petits espaces ici. Alors, le lit ici, le caisson, regarde, on va... Je peux installer les, quand même les plans. Je sais pas si... Parce que ça, j'aimerais évidemment que ça soit fermé. Mais je vais l'essayer pareil. Storage... Alors, tu sais, quelque chose comme ça. Alors, le lit, storage, et puis le toit, ben, tout va se terminer en bambou. OK, alors, sur cet étage, tout va être en bambou. Et puis, ben, la seule partie, finalement, je vais avoir besoin de cette partie-là, pareil, hein, parce que si j'ai l'intention de faire au moins un foyer ici, ben, ouais, je vais avoir besoin du bambou. OK. Alors, ben écoute, c'est pas plus compliqué. Il s'agit juste de débuter, mais je vais quand même aller chercher de la boue. Comme ça, parce que ben, il pleut, mais je viens juste de débuter la saison pluie. Alors, il va pleuvoir de façon constante très bientôt. Dans quelques journées, j'imagine. Alors, que ce soit fait là, maintenant, ou que ce soit fait plus tard, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de soucis. Mais pendant que j'y pense. Je me suis aussi permis de voyager un tout petit peu entre épisodes et puis faire des avant-postes comme ça quand je me trouve à voyager et à vouloir découvrir. Qu'est-ce que je fais, c'est que je me construis des avant-postes. Alors, j'ai découvert une nouvelle entrée et sortie, OK? Donc, j'utilise toujours une entrée et une sortie ici pour me rendre à la map numéro 1. Mais j'ai découvert, dans mon dernier voyage que j'ai fait, alors j'ai découvert une entrée et une sortie qui m'emmène directement... Donc, à la map numéro 3, puisqu'ici, je suis dans la map numéro 4, donc la forêt, je dois dire, la forêt de l'esprit amazonienne. L'autre, ça va être la... Écoute, je ne sais pas trop comment l'appeler. Oui, alors, ça m'emmène ici. Et je ne sais pas si c'est... On peut... Ben, c'est où est-ce qui est le grand camp...
amazonienne, quelque chose du genre, juste ici. Alors, cet emplacement ici, OK? Donc, quand j'arrive avec le grappin irrégulier ici, ça c'est le grappin avec le fusil, ça c'est le grappin avec le régulier, ça m'emmène, oups, non, excuse, directement 36-36, ça m'emmène ici. OK? Et puis, mon camp se situe juste là, là. Alors, c'est vraiment comme idéal pour l'entrée-sortie. Et puis, celle-là ici, qui serait le 40-32, je pense. Oui, 40-32. Ça, c'est l'entrée ou la sortie pour me rendre dans la première map. Alors, la première map, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais à ma collection. La deuxième, c'est tout à fait récent. Bon, OK. Alors, j'en ai une vingtaine là-bas et ici, j'en ai 17. Quand même pas si mal. Comme je te dis, j'ai pas assez pour terminer tout dans une journée. C'est pas vraiment une grande préoccupation de terminer tout dans la première journée pour moi. Et d'ailleurs, je vais continuer à t'en faire les présentations de mes progrès. Donc, je vais la faire sur présentation. Il faut la corde aussi. Alors, je vais la faire sur la présentation, le progrès. Alors, la collection des ressources, ça sera hors présentation parce que c'est un tout petit peu ennuyeux. Malgré que c'est quelque chose qui est important, qui doit être fait. Mais, fait demain, est-ce que je finis? Ouais, tout se bien. Je vais finir le balcon avant. Pourquoi 3? Et voilà. Non, j'aurais besoin de la boue plus que je pensais. Je suis content de ne pas avoir défait le mélangeur de boue. J'avais l'intention de le défaire un peu hors présentation, juste pour que ça soit plus efficace. Mais finalement, non, je suis content que... des fruits là-bas. Petit tapir adore ses fruits. Prendre un peu d'énergie aussi. Champignons. Il en reste combien? Il en reste. J'ai quasiment plein, j'ai vu ceci pour les garder. Et voilà. Ok, Ah oui, bûche.
J'arrive pas à déplacer. Est-ce que je peux les placer maintenant? Mais pourquoi? C'est étrange, j'arrive pas à les placer. C'est comme il dit, j'en ai zéro. Oui, ça, je sais que j'en ai zéro. Ah, mais c'est peut-être pas... Ah, j'avais peut-être pas choisi le bambou. D'accord. J'ai comme l'impression que je vais avoir à faire ça à tous. Et voilà. Je ne mélangerai pas de suite. La journée vient de passer et j'ai pas fait grand chose. Je veux voir, est-ce que mais vu que je vais garder la chambre de cette façon, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir installer ici. Peut-être un peu, peut-être un petit balcon, je sais pas. Alors, ok, juste une boue. Ici, il va me falloir... Ok. Ben, ça fait son bout de chemin pareil, hein. Et ça devrait pas trop me prendre du temps parce que tout est déjà repoussé dans la petite forêt de bambou. Elle est vraiment pas grande, mais elle suffit au besoin. Honnêtement. Ah, tu vois, oui, c'est ça. Alors, il va falloir que je fasse la même chose à tous les endroits. Je pensais d'y avoir installé... les sections ou les charpentes en bambou, mais comme l'impression que non. De ce côté... Oui, ce côté-ci, je t'avais même parlé. Hein? Donc, ce côté-ci, ça va être la douche. Qui... Okay.
En principe, devrait. Où est-ce que ça se situe? Non, c'est bizarrement, je pense qu'elle se situe ici. Non. Ici? Oui. OK. Donc, elle ferait juste dans le milieu, hein? OK. J'aurais aimé qu'elle puisse être ici. Ou là-bas, mais dans le milieu. Really? À moins d'y mettre. C'est drôle, hein, parce que je remarque ici. Est-ce que. Parce qu'il y a une charpente ici. Ah, ok. C'est pour ça. D'accord, ok. Je répète l'activité, voir. Et puis maintenant, donc, si je comprends bien. C'est ça. D'accord. OK. Intéressant. Alors, à ce moment ici. OK. Ouais. Je dis oui, là, mais je suis en train de penser. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne fonctionne pas à cet endroit? Ok. Bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher un peu de luminosité. Il est quand même pas si tard. Et je te reviens demain. Demain matin. D'accord? Allez. On se voit tantôt. Alors, bon matin à tous. Et puis, alors, donc, j'ai fait un peu d'expérience durant la soirée pour essayer d'installer la douche. Drôlement, elle m'a laissé. Alors, j'ai eu une possibilité de l'installer, mais je ne vais pas l'installer de la façon que le jeu le propose parce que c'est vraiment pas de la façon que je veux l'installer. Mais, bizarrement, alors, j'ai changé de charpente. Alors, j'ai pris la charpente en bois au lieu d'avoir la charpente en bambou. Une fois que j'ai installé la charpente en bois, j'ai installé la douche. Je vais te montrer un peu de la façon que le jeu propose que j'installe. Comme je dis, ça m'accommode pas du tout, du tout. Alors, je vais pas. Bien sûr, je ne vais pas l'utiliser. Alors, si je retourne dans la. La douche, c'est que le jeu propose. Gars, ben, et voilà. C'est drôle parce que j'arrivais pas à le faire avec le bambou. Fait que je ne pourrais pas mettre de mur une fois terminé. Fait que ça va donner quoi, là? C'est comme. C'est. Non, pas vraiment. Alors, je vais garder quand même la charpente, ainsi de suite. Je vais voir, peut-être une fois complété, je pourrais installer la douche, mais ça, j'en doute sérieusement. Mais c'est pas grave, ça sera quand même. J'ai d'autres possibilités là. Bon, je tenais à faire une douche privée, mais on s'entend là. Je veux dire, même si je serais avec d'autres amis dans le jeu, je doute. Sérieusement, en prenant ma douche, que je me déshabille et puis, tu sais, entre moi et toi, là, hein?
Il y a, disons, pouce, mais pouce égal. Alors, ceci va compléter, bon, la partie du plafond, hein? La fondation du dernier balcon. Mais je dis le dernier, hein, mais je n'ai pas encore terminé. Hein. J'aimerais en installer d'autres balcons ici, à ce niveau-là. Non, le boue mélangeur de boue est là. Mais, ouais. OK, donc bâton et corde. Ça, je dis, hein, c'est comme, c'est très coûteux, man. Bâton. Ah, j'avais une autre bûche ici. Ok, trois bâtons, la corde, la boue. Il n'y a pas plus encore, hein? Non. Bâtir le coffre, il me faut combien? 10 bâtons. Okay. Et puis j'en ai combien? 1. Nice. Il faut des planches aussi, mais ça... Est-ce que j'ai des planches? Non. Ok, terminé, corde, 6. Ok, ceci est fait. Lui, il ne sera pas installé jusqu'à temps que je termine. Il n'y a pas de souci. Un bâton. Ok, la boue, ça va aller, mais il faut qu'il pleuve. Ok, maintenant... Ok, alors, ici, on va installer, comment ça, il y a installé les murs. Ah, il faudrait que je l'installe en bambou. Ok. De l'autre côté, ça va être fenêtre. Ici. Ici. Et puis... On retourne au mur. Bon, ça c'est fait. Maintenant, le lit, je pense que je pourrais peut-être plus le placer dans cette direction. Bien bambou, oui. Je vais mettre le plus loin que je peux. Ouais, ok. Ça devrait... en tout cas, je pense bien. Non, j'ai plus de bâton. C'est correct. Ah! Lui, finalement.
J'avais des bâtons, pourquoi c'est pas rentré? Ben tant mieux, là, mais... Planche. Je pense que je venais terminer. Oups. Ah, j'ai fait de la pêche aussi. Le mécanisme, je pense qu'il est brisé. Il a toujours été brisé. Donc, je pense pas qu'ils ont réparé ce mécanisme-là. Peut-être en forme. Oui. T'as pas fait d'autres poupous là, non? Les ramasser avant que les bébites se mêlent là-dedans. Bambou. Planche. Et puis. Alors, ça sera terminé pour ça. Excellent. Alors, un petit. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur ici, mais écoute, je vais sûrement trouver. Ah oui, c'est des bambous qu'il me faut, c'est pour ça que ça ne l'a pas pris. Alors, je vais sûrement me trouver une idée quoi emmagasiner. Mais écoute, pour l'instant. C'est pas mal assez. Et puis, tiens, regarde, je vais terminer les deux longues branches. Pas les laisser traîner. Et les oublier, surtout. Et avec ça, mes chers amis, bien moi, je tiens à vous dire un grand merci hein, de votre présence et participation à cette présentation. Et bien sûr, comme mon grand, c'est un grand plaisir. Mais comme ma bonne vieille habitude, je vous dis, on se voit à la prochaine. Hein? Allez! À la prochaine, mon cher ami.